soit une victoire poussive, 12-6. Vous êtes allé à chercher au bout du bout. Hein. Oui, victoire poussive. Les 4 points sont assurés. Après, voilà, une amélioration par rapport à la semaine dernière, par rapport à la tenue du match, la stratégie qui avait porté défaut à ces gens de bus. Donc ça, on l'a bien réglé. Après, voilà, on tombe sur une équipe de Lavaux, une très belle équipe, champion de France fédérale, pas pour rien. Donc voilà, il ne faut pas que tout le monde pense qu'il n'y a que deux équipes, Albi, Tarbes et le reste. Non, je crois que tous les week-ends, ça va être compliqué, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Donc voilà, nous, on va avec Yannick essayer de travailler dans la semaine pour améliorer des choses. Le groupe, l'effectif a été renouvelé presque de moitié, donc c'est des automatismes qu'il faut travailler. On fait bien la semaine, mais après voilà, le week-end, il y a un rectangle vert, il y a un adversaire, donc c'est pas aussi évident que la semaine. Donc voilà, il faut continuer, il faut surtout pas se mettre la tête à l'envers. Hein. Je crois qu'on a 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite, donc à nous de travailler encore plus la semaine pour réaliser d'autres performances, notamment dans le jeu. Parce que je crois que vous, comme nous les premiers, on a envie de prendre plaisir au bord du terrain, et voilà, pour l'instant, il faut construire les fondations, il ne faut pas brûler les étapes, et petit à petit, on essaiera de porter au mieux ce projet de jeu qui nous tient à cœur et qui, j'espère, va nous permettre un peu de nous lâcher un peu plus sur les rencontres à venir.